Victor Rookwood est mort. Il m'a attaqué alors que je quittais Ollivander avec la baguette du gardien. J'ai dû me défendre. Par la barbe de Godric! Tout va bien? Je savais que vous pouviez vous défendre, je l'ai souvent vu, mais contre Rookwood en personne? Il a détruit de nombreuses vies, et il n'allait pas s'arrêter. Tant mieux si j'ai pu nous en débarrasser. Vous avez raison. Il n'aurait jamais arrêté. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le monde des sorciers est débarrassé de Harlow et Rookwood. Et c'est grâce à vous. C'est rassurant de vous l'entendre dire, professeur. Je suis prête pour la suite. Très bien. Les gardiens vous attendent. Vous avez accompli toutes nos épreuves, et dans des circonstances que je n'aurais su prévoir. Vous comprenez maintenant pourquoi tout cela était nécessaire. Le porte-au-loin, le coffre, le médaillon, le livre, les épreuves. Nous avions besoin de nous assurer que ceux qui partagent nos capacités fassent le même choix que San, Niam, Charles et moi-même. Maintenant que vous avez été témoin de mes souvenirs, vous comprenez tout ce qui est en jeu. Les gens ne sont pas toujours qui ils semblent être. Mais comme vous le savez, sans lumière, point d'ombre, et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce qu'on peut éliminer les ténèbres qu'on doit le faire. Même les sorciers les plus compétents et les mieux intentionnés ne peuvent imaginer les conséquences qu'entraînerait la manipulation de ce qui devrait être hors de notre portée. Ce qui se trouve dans le dépôt ne doit jamais être libéré. Résistez à la tentation de le détruire ou de le contrôler. La magie que vous avez si soigneusement perfectionnée ne doit être utilisée que pour protéger le secret que nous gardons. Vous êtes en possession de la baguette. Vous saurez quand l'utiliser. Notre héritage est désormais entre vos mains. J'espère que les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine. Je crains que non, mais si ce n'est pas encore le cas, ça ne tardera pas. Avez-vous pu contacter le professeur Weasley? Oui, avec un peu de chance, elle et les autres ne tarderont pas à arriver. Ils savent où trouver la porte que nous avons empruntée.
crois que vous avez raison, professeur. Traverser les charmes défensifs du château.
baguette, vite. Que nous sommes arrivés avant Ranrok. Je n'arrive pas à y croire. Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles. Quand on pense à toute la souffrance qu'il a engendrée, Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien. Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré. Ce qui vous êtes désormais responsable. Quel usage pensez-vous en faire? J'ai décidé d'ouvrir le dépôt. Son pouvoir ne peut pas rester inactif un siècle de plus. Même après tout ce que vous avez vu, il a faim d'Isidora. Isidora a gâché son don en essayant de sauver les personnes d'elles-mêmes. Je ne laisserai pas les autres me dicter ce que je dois faire de ce... de mon pouvoir. Je ne peux pas le croire. Vous savez pourtant mieux que quiconque toute la souffrance et le malheur qu'il peut engendrer. L'arrogance sans borne des sorciers. Les gobelins ont construit ce bâtiment. C'est notre propriété. Assez, Ranrok. Il n'a jamais été à vous. J'avais bien envie de jouer avec ceci. La baguette de Myriam. Si elle leur avait juste donné le réceptacle, tout cela aurait pu être évité. Une sorcière trop fière et imprudente. Thank you.
je t'apporterai peut-être une mort rapide. Tu n'as nulle part où te cacher, Ragnarok. Merci, Myriam. Merci pour tout.
professeur Eleazar Fig. Je présume qu'il était très apprécié de nombre d'entre vous. C'était un collègue de longue date pour ses pairs. Son goût pour l'aventure et sa soif de connaissances lui ont valu la réputation de foncer dans l'inconnu. Souvent au mépris du danger et sans aucun discernement. Ce qui a eu au moins le mérite de nous donner une leçon à tous. Sa grande passion pour l'aventure ne pouvait être égalée que par son dévouement envers Poudlard. Et envers sa femme, Marie, Myriam, qui nous a quittés trop tôt également. Le professeur Fig représentait le meilleur en chacun de nous. Oh, il avait un esprit tellement acéré. C'était un homme très brillant qui aimait faire des découvertes et il était d'une loyauté sans faille. Mais c'est sans doute grâce à son incroyable courage que son souvenir restera jamais gravé dans nos cœurs. Car sans le professeur Fig, eh bien, je crois pouvoir affirmer que sans cet homme, nombre d'entre nous, et cette école également, ne seraient plus là aujourd'hui. Ceux qui le connaissaient le mieux savent que nous devons maintenant l'honorer comme seul Poudlard peut le faire, en affrontant avec sagacité, bonté et courage toutes les épreuves qui nous attendent. Au professeur Fig. J'arrive pas à croire que nous avons perdu Fig. Je le connaissais pas aussi bien que toi, mais c'était un homme bien. Je suis content que Weasley ait rendu hommage à Fig. On se souviendra de lui, en bien. J'aurais aimé que la même chose soit faite pour mon oncle. Je me demande s'il y a une chance que Anne accepte de me voir. Sébastien, je ne peux imaginer ce que toi et Anne traversez. Peut-être que tu auras bientôt des nouvelles d'elle. Je l'espère, et je te le ferai savoir. Sébastien... Il faut que tu saches quelque chose. C'est à propos de Victor Rookwood. J'ai entendu dire que vous vous étiez affronté près de chez Ollivander. Ça a été un sacré combat, apparemment. C'est vrai, c'est ce qu'il s'est passé, mais ce n'est pas tout. Juste avant que Rookwood n'attaque, il a dit quelque chose. Les mêmes mots qu'Anne a entendus avant de recevoir un mauvais sort. Les enfants doivent être vus et non entendus. Attends, quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas un des fidèles de Ranrok qui a jeté un mauvais sort à Anne. C'était Rookwood. Tout est sa faute, depuis le début. C'est impossible. Tout est de la faute des fidèles. La nuit où Anne a reçu ce mauvais sort, on n'a vu que des gobelins. Quand Rookwood s'est allié à Ranrok, ils se sont tous les deux intéressés au domaine d'Isidora. C'est pour cette raison que Rookwood était là, la nuit où Anne a été maudite. Il travaillait avec Ranrok. Quand il a vu ta sœur, eh bien... Il ne voulait pas que quelqu'un le sache. Alors il lui a lancé un mauvais sort. Elle n'a plus jamais été la même. C'est si cruel. Rookwood n'a eu que ce qu'il méritait. Merci de me l'avoir dit. Ce n'était pas un gobelin. Je te dois des excuses. J'ai longtemps cru que les gobelins étaient nos ennemis. Mais ce n'était pas si simple. Hominis a parlé à Anne. Je me demande si elle me parlera. Je vais aller voir et je te préviendrai quand j'en saurai plus.